duel. De nouveau, un match miroir avec Photon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant qui peut être sympa? Déjà, j'ai un empereur Photon dans la main. Ça, voyez-vous, ça me retire le sourire. Un sang galactique, extrêmement intéressant, mais si j'active H maintenant, ça lui retire entièrement l'effet ou pas? Juste l'effet tuto. Ouais, c'est ce que je pense. Bon, je vais laisser jouer. Sauteur Photon, il peut du coup récupérer depuis son deck à sa main une carte magie ou piège qui nomme Photon Galactique. Est-ce que je suis un salaud et que j'empêche son effet? Le must, ce serait que j'attende parce qu'avec son sang galactique, il peut bannir une carte de mon extra deck et s'il bannit mon C62, je suis un peu cuck, donc je vais attendre. Récupère Transgalactique, ça ne sert à rien pour l'instant, donc tout va bien. Ah si, petit sang galactique avec l'empereur Photon, my bad. Je garde ma floraison de cendre. Vaut mieux que l'active en faire ensemble maintenant. En fait, s'il pioche son dragon photon, il va pouvoir invoquer, du coup, vu que c'est des bons niveau 4, le dragon photon explosif. Et il va pouvoir l'invoquer spécialement et il va pouvoir activer son effet. Il va pouvoir faire des dingueries. Donc, je préfère activer ça maintenant. Voyons voir si j'ai eu raison. Presque raison. Pour l'instant, je ne peux malheureusement rien faire, donc je vais tenter de le vivre bien. Ah non, il peut invoquer spécialement, c'est vrai, j'avais zappé cette éventualité. Attention, fais pas la même erreur, n'invoque pas le C62. Le C62 est pas du tout une bonne strat à invoquer, tu n'auras pas de matériel et du coup tu ne pourras pas l'utiliser à son poids potentiel. Il a invoqué du coup le numéro 62, c'est très bien. Et pareil, du coup si tu invoques le C62 via mon 62, tu n'auras pas les matériels requis et du coup ton effet ne sera pas activable. C62, il a cramé son C62, let's go. On confirme dans le chat que les effets s'activent pas avec le 62, mais s'activent uniquement avec un dragon photon. Jodoro, soda galactique, empereur photon. Direct, le combo se fait. J'active mon renfort de l'armée. Ensuite, je viens récupérer le volatile photon. J'active mon soldat galactique. Je vais virer mon empereur photon. Donc l'empereur photon va au cimetière, j'invoque spécialement mon soldat galactique en mode défense. J'active l'effet de mon soldat galactique et j'active l'effet de mon empereur photon. Qu'est-ce qui est intéressant à faire? J'ai beaucoup de choix. Soit je prends Claire Galactique et Invocateur Galactique qui me servira à rien pour l'instant. Donc ce sont des cartes qui sont à bannir. Donc je pense qu'il est plus intéressant de venir récupérer le dragon dernière lueur aux yeux galactiques. Je vais invoquer spécialement le volatile photon. Je viens récupérer un dragon blanc. Un dragon aux yeux galactiques. Ensuite, brave Jean, j'active sans galactique. J'envoie une carte depuis mon deck au cimetière. Donc je vous laisse deviner ce que je vais faire. Je vais faire exactement comme notre ami Rafik. Je vais envoyer un sauteur photon. J'active le sauteur photon et je viens récupérer. Alors, soit je vais récupérer une expression galactique qui permettrait d'invoquer spécialement un monstre niveau 5. Donc, je vais pouvoir invoquer spécialement un dragon photon sur galactique. Ce que je vais faire immédiatement. J'active l'expédition galactique. Je viens invoquer spécialement le dragon photon aux yeux galactiques. J'utilise mon sang galactique. On va venir déjà virer quelques cartes. Oh, je joue pas cette carte, mais elle fait quoi? Pas de C62. Ah, Abienne, je viens de penser à quelque chose, Abienne. 3 monstres lumière niveau 8? N'ai-je pas à avoir 3 monstres lumière niveau 8 dans très peu de temps? Ah, l'intérêt, c'est d'invoquer un C62, mais ça sert strictement à rien vu que je n'ai pas de matériel avec. Le néo dragon photon aux yeux galactiques, que fait-il? Oh, attendez! Attention, je tente quelque chose, je rentre en terrain inconnu. J'invoque spécialement le numéro. Ah, je peux pas, je suis baisé. Bon, c'est my bad, c'est une carte que je connais pas, j'invoque le numéro 38, espoir annonçateur. J'invoque spécialement en sacrifiant mon volatile photon et mon soldat galactique. J'invoque par Link le dragon fusée aux yeux galactiques. Ensuite, j'active l'effet, donc je peux récupérer une carte depuis mon deck à ma main, depuis mon cimetière à ma main, donc je vais venir récupérer le sauteur photon, sait-on jamais, c'est toujours bon d'avoir une bonne carte à avoir. Ensuite, j'active l'effet de mon dragon dernière lueur galactique. Donc je peux l'invoquer spécialement depuis ma main sur le terrain. Et là, mesdames et messieurs, voyez-vous, si vous êtes bon en maths, vous pouvez compter qu'il y a une carte niveau 8, deux cartes niveau 8, trois cartes niveau 8. Je superpose mes trois cartes et j'invoque en mon attaque le numéro C62. C'est fini, tu ne peux plus rien faire. Battle phase, j'active l'effet de mon numéro 62. Je sacrifie le... Je désuperpose, je sais pas comment ça se dit, la dernière lueur aux yeux galactiques. J'attaque ton Néo C62. Il ne peut en rester qu'un seul, et ce sera moi. Oh,
bien joué. Oh, terriblement bien joué. Oh là 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 là, c'est beau. C'est magnifique. End phase. Turn the change. Moi, je dis non. Déjà. Je réfute. Je vais virer mon dragon photon jeu galactique. Oh, il peut bannir ma carte. Est-ce que mon numéro C62 est safe? Bah, je vous espère, j'ai numéro 38. Je peux annuler magie piège. Je viens manger ta magie, tu n'as pas le droit. Numéro 38 me donne l'espoir de vaincre. J'annule l'effet et je mange ta carte. On est d'accord que dragon photon, jeu galactique, je ne peux pas bannir mon C62. Parce que si c'est le cas, je suis un peu cuck en fait. Ah! Ah non, rien de fusil, ok. Le dragon fusil a été invoqué, je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Ajoutez à votre main, faire une offre. Que va-t-il récupérer à sa main? Récupérer. Il récupère le C62, pourquoi faire? Ah, pour lui aussi obtenir le boost! Il veut la jouer comme ça! Il invoque son numéro C62! Incroyable! Magnifique! Il active son dernière lueur! Le babouchka! Mon C62 et ton C62 ne seront pas touchés. Mais toutes ces autres cartes seront touchées avec. Pourquoi fais-tu ça? Turn change! Toute résistance n'est que futilité! Tu ne peux plus survivre à mon attaque! Battle phase! Numéro C62! Néo Dragon Photon! Primordial aux yeux galactiques! C'est fini! Final blow! Mais t'es sérieux? T'es pas sérieux? Mais y'en a combien des sauteurs photons? Bon bah, une phase. Ah, pour quelle raison je ne suis pas touché par le babouchka? Les Link, je sais, parce qu'ils peuvent pas passer en mode défense. Mais pourquoi mon numéro 38 n'est pas touché par le babouchka? Ah, bah voilà, merci. Ah oui, parce qu'il était pas en mode défense. Je réfute et j'active mon numéro 36. Ah, je peux pas avec son babouchka, bien joué. Je ne peux pas avec son babouchka, il m'empêche d'activer mes effets. Non, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû activer mon numéro 38, de toute façon il peut pas s'activer. Donc je vais défausser mon lanceur photon. Ah, je peux aussi défausser Force Galactique. Fair enough. En gros, explosif photon, seigneur des lumières, ce serait le must techniquement. C'est techniquement le plus problématique, donc on va faire ça. Ouais, donc il peut pas être activé malheureusement, il va quand même activer son effet, donc tout va bien en vrai. End phase! Turn change! Attendez, si je sacrifie, sommes-nous d'accord, si je vire une de mes cartes, est-ce que je perds l'attaque et la défense ou pas? Mais t'as plus le lien, mais oui! Mais je suis débilus! Mais oui! Mais oui! Unlimited! Galaxy! Boost Blast Da! Final Blow! Yes! Oui! J'ai pris volon d'attaque, j'ai essayé mis dans le mixeur, j'ai mixé, j'en ai fait du jus et je l'ai bu. Gros match, hein. Il avait oublié l'alien. Mais oui, moi j'étais prêt à faire les stratégies magia mystiques pour tenter de toucher des choses. Non, il y avait l'alien, c'est book. Eh ben, très bien joué à toi, Rafi, tu m'as surpris. J'aurais pas dû prendre le C62 turn 1. Exactement, t'as fait la même erreur que la personne que j'ai affrontée la dernière fois. Déjà, j'ai fait exactement la même stratégie. Tu as pris le C62 en pensant que ce serait good. Malheureusement, tu n'avais pas les matériaux qui étaient nécessaires pour proc les effets du monstre. Ce qui fait que tu t'es retrouvé avec un C62, un monstre avec beaucoup d'attaque, mais pas d'effet. Donc tu t'es retrouvé cuck. Et c'est bien tenté, tu m'as surpris. J'avoue que les doubles sauteurs photons, ça m'a un peu rendu fou. Mais excellemment bien joué de ta part. Tu peux être fier de ce duel, il était magnifique.